Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV Fait sa culture. Au menu du jour, musique avec le cheval open air de Beugnin, mais aussi le collectif Groove et la route lyrique de l'Opéra de Lausanne. Du 28 août au 31, le cheval célèbre son 15e anniversaire, l'occasion de faire la fête. 11 concerts se produiront dans le cadre intimiste du domaine viticole de Sarreau-Dessus. On en parle avec nos deux invités. Maïk Oli, responsable des artistes et de la programmation. Bonjour. Bonjour. Avec vous, Nicolas Jones, responsable communication et promotion. Bonjour à vous également. Bonjour. Alors pour cette 15e édition, un anniversaire, donc qu'est-ce que vous nous avez préparé, Maï? Donc déjà, au lieu de 3 soirées, il y en aura 4. 4 soirées avec 4 styles très différents, avec de la folk, du rock, des métissages afro-rock et puis une soirée un peu plus groove funk, avec des artistes qui font la part belle aux Suisses, mais aussi aux étrangers. Donc, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 soirées, si ça, c'est pas fou. Concrètement, qu'est-ce que ça représente en termes d'organisation, une soirée de plus? C'est beaucoup de boulot en plus, pas beaucoup? Comment vous jaugez ça? C'est quelque chose que, indirectement, on a un peu expérimenté ces dernières années, parce que notamment, on fait la soirée pour nos bénévoles le mercredi. Et puis, selon les occasions, on avait organisé la projection d'un film où on avait le vernissage d'un groupe l'année passée. Donc en fait, on a un peu testé le concept, mais c'est vrai que ça nous plaît, qu'on se sent à l'aise, qu'on est maintenant un petit peu mieux rodé pour s'installer dans ce jardin, parce que quand même, on n'est pas dans une salle où tous les équipements sont là, on va se poser un peu dans la nature. Donc voilà, on sait, on est confiant qu'on peut le faire. Maintenant voilà, c'est une vraie soirée avec deux groupes, avec de très belles découvertes suisses. Mais aussi des surprises, ils ne vont pas nous en parler parce qu'évidemment c'est le but d'une surprise, on va garder ça secret pour l'instant. Et puis le gros coup de cette édition, c'est Chic Chic Chic, groupe de rock, qui vient d'ailleurs d'annoncer il y a quelques heures un tout nouvel album, ça c'est génial. Qui sortira en plus le lendemain de leur concert à cheval. Et je pense qu'on est très chanceux de les avoir parce que c'est leur unique date suisse jusqu'à décembre. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter leur univers? Parce que je crois que c'est assez particulier, les Chic Chic Chic. Je me permets, ils sont complètement barrés. En live, c'est vraiment de hyper énergique, super dynamique. C'est vraiment quelque chose à voir en live. À cheval, on a toujours des groupes qui sont vraiment plus forgés pour le live. Franchement, moi, je pense que c'est à voir. Peut-être que vous les avez vus en 2007 sur la grande scène du Paléo. Donc, je pense sur la terrasse du domaine viticole de Beugnin, ce sera vraiment bien. Un bon spectacle. Ouais, Nicolas, vous serez déguisé en drag queen? Absolument. Voilà, une occasion de plus, une raison de plus d'aller au cheval, vous l'aurez compris. Et puis, ben voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, 50% d'artistes suisses, des artistes de la région aussi. Tendinista, par exemple, qu'on connaît bien. Même 60% de groupes suisses. Ben, c'est hyper important aussi pour le cheval de soutenir les groupes de la région, les groupes suisses en général. Ça a toujours été le cas depuis les premières éditions. Donc, C'était une des volontés de Laurent aussi, programmateur avant toi, qui voulait absolument laisser de la place et pas que les groupes suisses se retrouvent sur la scène bis, mais qu'ils soient au premier plan. Et cette année, tu fais un pari assez osé avec Corbal. Oui, notamment Corbal, ce sera leur première mondiale. Ouais. C'est en fait un groupe qui est né sur les cendres de Metropolitan Park, un groupe qui a beaucoup tourné en Suisse avec des musiciens d'exception. Et là, ils forgent justement un nouveau live pour le cheval en première, avec quelques surprises, vous verrez. Un anniversaire donc, mais les 15 ans du cheval, finalement, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, moi, à titre personnel, j'y ai joué la toute première année. Et puis après, bah, ça fait depuis peut-être la 3e ou 4e que je suis actif dedans. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup de bons souvenirs, quelques plus difficiles, pour un comité quand même d'une dizaine de personnes et un nombre assez impressionnant de bénévoles qui viennent chaque année. On est autour de 150 bénévoles durant les dernières éditions. Donc c'est beaucoup d'amis, c'est beaucoup de souvenirs et des choses qui se sont construites là autour. Ouais, on voit justement des images du teaser de l'année dernière. On voit, hein, le cheval, c'est toujours des amis, convivial, de la nourriture, tout ce qu'il faut avec. Mais durant ces 15 dernières années, tu disais qu'il y a eu des passages difficiles, d'autres plus faciles. Qu'est-ce qui a changé finalement dans la nature du festival? Alors, je pense qu'on a d'abord beaucoup appris. Mais c'est vrai qu'au début, c'était juste une petite fête dans un jardin. Et là, maintenant, c'est vraiment, on pourrait dire, quelque chose de professionnel qui est bien en place. On se bat un peu contre les éléments quand la météo ne veut pas de nous. Ce qui est arrivé une année où on a eu du vent qui a détruit une partie des infrastructures. On a des imprévus qu'on apprend à gérer, que ce soit dans les loges. On a eu un bus qui est resté coincé en arrivant au domaine une année, je crois, avec General Electric.
Les après-soirées sont toujours mythiques pour plein de diverses raisons. Bon voilà, on apprend à gérer avec ça, mais ça forge de beaux souvenirs. Maï, toi, tu as l'habitude de nous dire que c'est le meilleur festival de la région, donc ça, on y tient. Mais je crois que c'est une année un peu particulière pour les festivals. Hein, Paléo qui n'a toujours pas vendu l'intégralité de ses billets, Caribana qui a vendu le gros de ses billets vraiment le soir des festivals. Donc en termes de programmation, peut-être, comment est-ce que vous vous y préparez de manière différente ou pas du tout? On fonce toujours au coup de cœur. Alors, pas forcément pour moi, j'y vais de toute façon au coup de cœur. Et puis la différence entre Paléo et Caribana, nous on est vraiment plus petits. Et puis on n'a vraiment pas les mêmes infrastructures non plus. Après, le cheval, je trouve qu'il y a depuis les 14 dernières éditions, il y a assez une lignée aussi de découverte. Et pour nous, ça reste hyper important. Et puis c'est vraiment des coups de cœur et puis des groupes qui sont à découvrir aussi dans ce lieu qui est magnifique. Tu parlais des infrastructures. Là, vous vous dites toujours plus éco-responsable en réutilisant justement les matériaux. Mais finalement, éco-responsable toujours plus, pourquoi ? Bon, on est vraiment, quand je disais qu'on est dans un jardin, c'est vraiment le cas. On est dans une maison, on est dans le jardin. C'est vraiment pas logique de gaspiller, d'être dans un endroit comme ça et de gaspiller. On a notamment, il y a quelques années, fait le test en ayant des plus grandes infrastructures, plus de métal physiquement sur le terrain, et on s'est tout de suite rendu compte que ça jouait pas avec l'esprit. Donc c'est plutôt en ce sens-là qu'on essaie simplement de réduire, d'avoir l'impact le plus petit possible, dans une période où je pense qu'on en est tous de plus en plus conscients, il faut qu'on fasse un geste et qu'on prenne conscience de ce qui se passe. Donc voilà, à notre échelle, on fait un certain nombre de petits gestes, et certains autres sont d'ailleurs en discussion encore aujourd'hui. Maï, ton plus beau souvenir au cheval, ça serait lequel? Toujours difficile de dire un moment particulier, mais... C'est sûr. Je sais pas. Bah alors, je dirais depuis mes... Bah là, c'est la troisième année où je fais la programmation. Je dirais que mon meilleur souvenir, quand même, c'est Bagarre. C'est un groupe où j'avais eu un énorme coup de cœur, où j'avais proposé, fait écouter un peu au comité, où tout le monde m'a dit « Mais non, tu vas te planter ». Et en fait, pour moi, c'était une des meilleures clôtures de l'année passée qu'on ait pu avoir. Enfin, c'était vraiment la fête et puis leur musique, elle est vraiment intéressante. Puis maintenant, ils sont vraiment bien connus. Donc, c'est chouette. Ouais. Le cheval, c'est aussi finalement une première scène pour les artistes. Là, quelquefois, on peut dire ben, c'est un risque pour vous aussi que vous prenez en leur offrant cette première scène. Absolument. Là, je pense cette année, on peut par exemple parler de Sons. Qui sont un groupe belge, qui en fait, leur concept c'était de faire une pléthore de concerts, je crois, ils ont dépassé le chiffre de 70, et seulement après d'enregistrer un album. Donc en fait, ils arrivent à cheval avec un seul album, mais une expérience scénique extrêmement rodée, et comme tu disais, pour nous c'est le live d'abord. Donc on prend ce pari que ça va plaire et que ça bougera bien dans les jardins. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement pour les 15 années à venir? Bah, qu'on fasse toujours le cheval. Avec des belles découvertes, ouais. Du beau temps. Donc a priori tout va bien, pas de soucis, le festival se porte bien. Vous êtes confiant. Le festival se porte bien. Ouais. On a un bon groupe motivé et on a envie que ces souvenirs et ces belles expériences continuent. Voilà, donc vous l'aurez compris, l'occasion de faire la fête, non pas un, non pas deux, non pas trois, mais quatre soirées. Voilà, c'est beau. En musique du 28 au 31 août. Merci d'avoir été avec nous et puis longue vie au cheval. Merci. La route lyrique faisait une halte à Nyon mardi soir dans le cadre de la tournée lyrique. Pour la cinquième fois, l'Opéra de Lausanne propose un spectacle itinérant à travers la Suisse romande. Plusieurs dates vous sont proposées, notamment à Bulle le 21 juin, le 22 à Concenay ou encore le 23 à Renan. Pour juillet, ce sera le 6 juillet à Orbe ou encore le 12 juillet à Aubonne. Regardez les images. Les Chevaliers à table ronde, donc c'est un ouvrage de Hervé, qui est un compositeur contemporain de Jacques Offenbach. Nous sommes dans le même esprit, totalement frappadingue, déjanté. Musique pétillante, c'est gai, on sort du théâtre, tout le monde sifflote la ronde des chevaliers. Enfin, il y a ce côté presque comédie musicale avant la lettre. Je voulais vraiment travailler en fait sur le côté grosse farce médiévale. Tous ces personnages, évidemment, sont très loin de la légende arthurienne. On est beaucoup plus dans une pièce à la Fédot ou à la Labiche. Voilà, oui, il faut jouer tout ça à 100 à l'heure. On est beaucoup plus dans les histoires d'amour des uns et des autres, encore une fois, que dans la quête du Graal. Tous les personnages féminins sont des personnages très forts qui ne se gênent pas pour obtenir ce qu'elles veulent et à leurs conditions.
trois caractères féminins bien trempés, mais en même temps complètement différents les unes des autres. C'est bien de pouvoir montrer des caractères aussi, aussi forts dans cette opérette. C'est des performances qui sont complètes. L'opérette, c'est très exigeant parce qu'on danse, on parle, on chante. C'est très amusant à jouer parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer. Il y a le rire, les larmes, la légèreté, mais en essayant de ne pas tomber dans la caricature. Donc il faut être vrai, il faut être derrière son personnage, il faut ressentir ce que ressent son personnage tout en faisant rire parce qu'on est là pour faire rire les gens. Donc c'est très agréable d'allier les deux et d'en faire une performance tant vocale que théâtrale. L'avantage avec la route lyrique, c'est que c'est l'opéra qui vient vers les gens. On joue dans des théâtres très différents les uns des autres, donc avec des publics très différents aussi. Et oui, alors c'est une façon effectivement d'aborder peut-être le monde de l'opéra. Je ne connaissais pas l'opéra avant d'en faire et j'aurais vraiment aimé pouvoir découvrir l'opéra et l'art lyrique de cette manière-là. Donc je suis très contente de pouvoir le faire aujourd'hui pour d'autres personnes. Ce qui est très agréable dans la route lyrique et dans ce spectacle, c'est que l'opéra, c'est pas coincé, c'est pas des gros murs qui font peur, c'est au contraire, c'est une troupe de jeunes qui s'amusent et qui est là pour amuser les gens et pour faire découvrir ce répertoire et ces voix qui sont, je pense, un peu hors du commun et que le grand public ne connaît pas. L'offre musicale de la ville de Nyon s'étoffe d'une école de musique en groupe avec le collectif Groove. Ici, l'apprentissage de la musique se veut instinctif et collectif. On en parle avec notre invité André Courbat. Vous êtes enseignant et président du collectif Groove. Bonjour. Oui, bonjour. Donc ce collectif, on va en parler justement. L'apprentissage instinctif de la musique, déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc ce qui se passe dans cette école, c'est qu'on fait des ateliers de musique. On apprend la musique en formant des groupes avec les élèves. Et puis, des ateliers de musique, ça existe déjà. Enfin, j'en avais fait déjà au Centre de loisirs à Nyon, il y a longtemps, quand le Centre de loisirs existait. Et puis, différentes écoles proposent des ateliers de musique pour les gens qui jouent déjà. Ce qu'il y a de nouveau là, c'est qu'on peut commencer la musique en groupe, en jouant en groupe. Et je dirais que dès le premier cours, on joue déjà quelque chose, même avec des gens qui n'ont jamais joué d'un instrument. Donc, ça peut paraître un petit peu paradoxal. Comment est-ce qu'on peut jouer en groupe finalement si on n'a jamais appris à jouer d'un instrument ? Comment ça se passe ? L'idée m'est venue, j'ai un passé musical où j'ai fait beaucoup d'arrangements de musique, comme musicien de studio et comme ingé son. Et je me suis dit en fait c'est le travail de l'arrangeur d'arriver à faire quelque chose avec peu de notes. Et puis c'est, je dirais, une des qualités de beaucoup d'arrangements, c'est d'arriver à quelque chose de très clair. Et puis en fait, on peut avoir quelqu'un qui commence, qui va jouer peu de notes. On met des fois je mets des post-it sur le piano, on joue les bleus, les verts, sans avoir une notion de notes, de solfège ou de... Donc on passe pas par le solfège. On passe pas par le solfège, non. On travaille vraiment à essayer de toucher le rythme, donc l'instinct, et pas en passant par le cerveau. Et puis la reconnaissance d'oreille, et travailler comme ça. Mais est-ce qu'il faut du coup l'oreille musicale ? Alors, l'oreille musicale, en fait, elle se forme quand on est petit. Et après, elle se forme plus difficilement parce qu'il y a le cerveau entre deux. Donc, pour les petits 6 à 10 ans, je dirais que c'est vraiment extraordinaire d'avoir un accès si facile à l'instinct. C'est-à-dire qu'on peut leur montrer, voilà, il faut jouer comme ça. Puis ensuite, ils ne vont pas réfléchir et se mettre à compter dans leur tête. Ils vont simplement jouer ce qu'ils entendent d'instinct. Et le sens du rythme et l'oreille se forment à cet âge-là. Alors, on peut le former plus tard, mais ça demande plus de travail. Et quand on parle à quelqu'un d'un peu plus âgé, il y a son cerveau entre deux, entre l'instinct et ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui demande de jouer, ce qui rend plus difficile
l'apprentissage, je dirais, de l'oreille et du sens du rythme. Donc finalement, ça s'entraîne, si je vous comprends bien. Ça s'entraîne, ça s'acquiert petit. Après, il y a plus ou moins de facilité. Les gens ont plus ou moins de facilité en musique dans leur instrument. Et je dirais que le principe ici, c'est que ce n'est pas de la compétition. Chacun avance à son rythme, mais tout le monde joue ensemble et chacun est important dans le groupe. En fait, un instrument tout seul, ça ne va pas le faire. Tandis que quand on a tout le monde ensemble qui joue ce qu'il a à jouer, on arrive à obtenir quelque chose. Ça fait une année que l'école existe. On sait que les écoles de musique peinent parfois à trouver un public finalement plus populaire. Toujours cette notion qu'une école de musique, c'est parfois élitiste. J'imagine que du coup, votre collectif Groove casse un peu du coup, ces codes-là. Oui, je pense que c'est assez adapté à l'époque actuelle. C'est-à-dire que les enfants, ils ont beaucoup de travail à l'école. Ils ont souvent beaucoup d'activités extrascolaires comme le sport ou différentes choses qu'ils font. Ils ont peu de temps pour travailler la musique à la maison. Des fois, c'est un combat entre la maman qui dit « il faut que tu fasses ton piano, il faut faire une demi-heure tous les jours », etc. Là, je sais que les élèves ne vont pas forcément travailler. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent moins. Puis je vais faire avec. On va faire en sorte que ce qu'ils jouent, ce qu'ils ont appris, c'est utile dans le fonctionnement d'un morceau. Mais est-ce que ça reste finalement théorique? Parce que voilà, pas de solfège, vous dites, voilà, on n'apprend pas cette manière d'apprentissage, voilà, dite classique. Donc, est-ce qu'on acquiert finalement les théories, les bases? Alors, pour les petits, ça va s'acquérir plus tard. La technique de l'instrument, elle est assez difficile quand on est petit. Entre 6 et 10 ans, ils ont encore de la peine à bouger un doigt, ils bougent tous les doigts en même temps. Et je dirais que vers 12 ans, en 6 mois ou une année, ils font autant d'apprentissage technique de l'instrument qu'en 4 ans, entre 6 et 10 ans. Par contre, ils vont acquérir l'oreille, ils vont acquérir le sens du rythme. Mais alors qu'est-ce que ça change, pardonnez-moi, par rapport à une école Jacques Dalcroze, la rythmique tout simplement, qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence? La rythmique, ce n'est pas avec un instrument, on n'est pas dans un contexte de groupe, on ne fait pas le même type de musique. On va s'exprimer sur la musique, mais je dirais qu'il y a une parenté avec ça, mais ce n'est pas de l'initiation musicale. Les gens apprennent quand même leur instrument. Au bout d'une année, ils improvisent, même des petits de 6 ans, 7 ans, ils ont une gamme, ils font des phrases et ils improvisent. Et je trouve ça assez extraordinaire en voyant la facilité qu'ils ont à se lâcher, à improviser. Je regarde des petits de 7 ans qui improvisent, c'est génial. Et puis l'occasion certainement de découvrir ces élèves lors de la fête de la musique à Nyon le 21 et 22 juin. Pour les élèves, ce sera le 22. Où est-ce qu'on pourra les découvrir? C'est donc devant le centre commercial Lacombe dès 13h30. Pourquoi c'était important pour vous finalement de placer ces élèves devant le public? Ben, je trouve la musique, ça se partage. La musique, déjà, ça se partage en jouant en groupe. En tout cas, beaucoup de la musique moderne, elle n'est pas vraiment prévue pour des solistes. Donc déjà, tout le long de l'année, ils jouent ensemble. Et puis ensuite, de le présenter au public et d'arriver à des morceaux suffisamment finis pour arriver sur scène et les jouer. Même après une année de musique, c'est important. On fait également un CD et on fait deux enregistrements durant l'année. Des enregistrements en studio, c'est-à-dire où on va pouvoir refaire chacun individuellement des bouts qui sont ratés, sur lesquels ils progressent aussi parce qu'ils se rendent compte que ben, le solo, il faut faire des phrases un peu plus séparées. Mmh. Si on a un propos trop long, c'est rébarbatif. Donc ça permet d'avancer tout en enregistrant. Voilà qui prouve que c'est sérieux. Si on veut s'inscrire au Collectif Groove, comment est-ce qu'on fait? Alors sur le site www.collectifgroove.com, il y a un formulaire d'inscription. L'inscription n'engage pas à l'année. Après, on propose tout début septembre des horaires et on essaye de former les groupes. Donc c'est un moment de casse-tête en début septembre d'essayer de voir. Alors voilà, on a tel âge et tel niveau et comment on fait ensemble. Mais ça s'adresse aussi à des musiciens qui ont de l'expérience en musique. Il y a des musiciens qui ont pris des cours pendant 10 ans, 20 ans, qui n'ont jamais joué en groupe et qui ont un énorme plaisir à se mettre à jouer en groupe, à découvrir l'arrangement, comment est-ce qu'on fait pour faire quelque chose de clair et que ce ne soit pas chacun qui se marche dessus, et être mis en valeur, mettre les autres en valeur, s'écouter. Enfin, c'est aussi des valeurs humaines que je trouve qui sont sympas à pousser, que ce soit pour les petits ou les grands. André Courbat, merci pour toutes ces découvertes et puis on se réjouit de vous voir lors de la fête de la musique. Merci beaucoup. Quant à nous, on termine cette émission avec l'agenda.
Bonne nouvelle, l'été arrive et avec lui la traditionnelle fête de la musique. Nouveauté puisque cette année à Nyon, la manifestation aura lieu sur 2 jours. Début des célébrations vendredi dès 18h avec le projet de création 2019, la quinguette des mille et zinettes. Un vrai bal dans les règles de l'art. Puis tout au long du samedi, découverte des groupes de la région comme Tendinista, Wolfgang ou encore Broken Bridge. Le week-end suivant, place au 73e Gironde Jeunesse 2019 du 26 au 30 juin à Bois-Bougie. Au programme, des concerts gratuits, des animations dont la visite d'animaux à la ferme du domaine le samedi ou encore le traditionnel Corso Fleuri qui animera les quartiers de Rives dimanche 30 juin. A noter que les organisateurs sont encore à la recherche de bénévoles. À Peugnin, la troupe de Sarre au-dessus présente son spectacle « L'amour des trois oranges » du 13 juin au 6 juillet, tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h sur le domaine viticole. Une comédie féerique qui raconte l'épopée d'un prince dans une mise en scène moderne et féministe. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut.